Quand j'étais petit, j'étais toujours super content d'aller en colo. Guillaume, c'est l'heure d'y aller. Guillaume, t'es où? Dépêche-toi, tu vas rater ton avion. Bah tu viens que je te prends ta play. Et c'est vrai que, en général, je partais pas les mains vides. Bon, alors. Hop. Et voilà. Mais Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Bah, ma valise. Et donc une fois là-bas, c'est là que tu te rends compte en fait que t'as différents types de monos. Bon alors évidemment, t'as le mono sympa. Bon alors les mecs, vous avez le droit de boire, de baiser et de fumer. Ok? Ah ciao, peace. Ah non, c'était un rêve ça. Bon donc je disais, il y a le mono sympa. Bon, donc vous avez quartier libre, vous pouvez dépenser ce que vous voulez. Par contre pas de bêtises, hein, ok. Et je veux tout le monde ici à 6h. Ça vous va? Ok, c'est parti. Et puis bah évidemment, t'as le mono chien. Bon, alors, je veux des groupes de 2, et pas un de plus, hein. Si je vois un groupe de 3, je vous envoie au camp direct. Vous dépensez pas plus de 1,57€, c'est compris? Et je veux tout le monde ici à 3h30 pétante. Pour le goûter, s'il y a des retardataires, on les laisse ici. Des questions? Très bien. Au revoir. Et puis après, t'as le directeur. Alors, tout va bien les jeunes? Monsieur, on a faim. C'est bien mon petit Mamadou, c'est bien. Allez, bonnes vacances les petits. Le mec le plus perché au monde. Tu sais pas pourquoi il est là. Et aussi, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est les mecs qui prennent 100€, mais pour 2 semaines de colo. Non, parce que, à part la bouffe... Bon alors, évidemment, comme dans toutes les colos, t'as des activités. Malheureusement. Bon alors les enfants, on se fait une tech? Monsieur, c'est une colo 16-18 ans. Ah oui, c'est vrai. Un loup-garou alors? Oh yes! Oh non, mais c'est toujours moi le loup! Et puis enfin, quand t'arrives à la fin de la colo, au moment où tu vas rentrer chez toi, je sais pas trop pourquoi j'ai l'impression d'être le seul à vouloir rentrer. C'est bizarre, non? Mais le pire dans tout ça, c'est les colos linguistiques. Non, parce que déjà, tu te fais chier aller en colo. En plus de ça, t'as des cours d'anglais. Donc tu te lèves à 8h30 pendant les vacances. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là. Oh,